Diagne. Nous avons M. Aou. Donc, cette conférence de presse d'AECOP va commencer par un propos liminaire d'une dizaine de minutes, puis on va passer aux questions. Afin de m'excuser pour ce déjeuner d'honneur, moi, je suis opérateur économique. Je suis le président du Conseil national des dirigeants d'entreprise du Sénégal, innovation croissance. Je suis le président quand même principal de la Chambre de commerce de Dakar. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a un combat que nous menons depuis 2010 pour Dakar et depuis 2009. Donc ça fait aujourd'hui 14 ans qu'il n'y a pas eu de renouvellement au niveau de la Chambre de commerce de Dakar, ce qui est une aberration. Et ça fait 15 ans dans toutes les 13 régions du Sénégal qu'il n'y a pas eu de renouvellement au niveau du cadre un seul du secteur privé et la Chambre. Donc c'est un dossier plus ou moins technique qui requiert quand même la présence d'un avocat et Maître Pape Ali Diagne, avocat à la Cour, est ici présent pour vous faire quand même une lecture technique de la situation qui prévaut malheureusement à la Chambre de commerce de Dakar depuis bientôt 14 ans. Je m'en vais vous lire un texte. Délétère, indescriptible à la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar. Pour se maintenir à la tête de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar, après 14 années de mauvais et de loyaux services rendus au secteur privé, institutionnel sénégalais, comme organisation patronale, l'actuelle équipe dirigeante, entre guillemets, sous la houlette de M. Abdoulaye Sow, forestier de son État, entouré de ses vice-présidents, membres du bureau, tous issus de sous-sections annulées depuis 2010 par la Cour d'appel de Dakar en Chambre réunie, comme la Cour suprême du Sénégal. Il s'agit de M. Ibrahim Lo, qui est de l'Irakois, qui était inscrit dans la sous-section établissement financier, émission de 2010, la Cour d'appel de Dakar, après avoir annulé son élection, a dit qu'il ne pouvait être ni électeur ni éligible. Il y a M. Abdelkader Ndiaye, qui est de la CNES, il y a M. Ababacar Sarkozy, qui est de Supremo, le droit de DG, il y a M. Mbarko Badiane, transporteur de son État. Il y a Mamadou Lamine Sow qui se trouve être le trésorier de la Chambre de France de Dakar depuis 14 ans, quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, alors que la Chambre de France a un budget de 3 milliards. Il y a M. Serigne Diallo Ngozi de l'Irakois, et il y a Mme Assou Seck. Donc le rejet des pouvoirs des arrêts en 2012, rendu par la Cour suprême en Chambre réunie, des requêtes en rabat d'arrêt, dirigé contre les arrêts numéro 40 et 41 du 8 décembre 2011 rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême, a pour effet de rendre irrévocables les arrêts. Aucune voie de recours n'étant plus possible, ceci ayant rejeté les pouvoirs formés contre l'arrêt numéro 1 du 2011 rendu par la Cour d'appel de Dakar, statuant en Assemblée générale, l'autorité de la sous-juge de cette décision et celle-ci est ainsi conçue. Annule les résultats du premier tour de la sous-section établissement financier des élections de la Chambre de commerce d'industrie d'agriculture de Dakar tenue le 1er août 2010. Annule le deuxième tour du scrutin des élections de la Chambre de commerce d'industrie d'agriculture de Dakar, tenu le 22 août 2010 dans son entièreté. Il appartient au ministre du Commerce et au gouverneur de la région de Dakar, auxquels toutes les décisions ont été notifiées en tant qu'autorité de tutelle, de faire produire à ce dispositif son plein effet en tirant toutes les conséquences logiques qu'il comporte, à savoir notamment
constaté l'illégalité de l'actuel bureau de la Chambre des industries d'agriculture de Dakar, mettre en place de façon concertée une structure provisoire pour diriger l'institution. Il reste entendu que le refus par l'autorité compétente ou même la simple abstention de donner effet à ce dispositif de l'arrêt de la cour d'appel pourra faire l'objet de toutes les voies de recours prévues par la loi, notamment un recours pour excès de pouvoir. La loi 2017-15, votée le 6 février 2017, portant création de la nouvelle Chambre nationale de commerce d'industrie et de services du Sénégal et des Chambres régionales de commerce d'industrie et de services, CCIR, est sans décret d'application depuis bientôt 7 ans. Et en son article 8 qui est intervenu, qui dit à titre transitoire, les chambres consulaires existantes continuent de fonctionner jusqu'à la mise en place des nouvelles assemblées consulaires résultant de l'application de la présente loi et de ses décrets d'application à l'article 8 de la loi qui est intervenue. Pour votre information, nous nous sommes battus pendant 14 ans et avons plaidé ce dossier de la Chambre de commerce d'industrie d'agriculture devant 53 magistrats constituant les chambres de la Cour d'appel de Dakar, puis au niveau de la Cour suprême, où nous avons remporté tous nos procès. Et en faisant annuler le décret 2014-47 et plus de 5 arrêtés ministériels et actions d'urgence qui ne sont d'aucun apport pour l'État dans sa politique de création de richesses et d'emplois et qui malheureusement viennent tous de boucler plus de 39 ans de présence à la Chambre de commerce de Dakar pour Abdoulaye Sow et plus de 30 ans pour les autres qui peinent à justifier leur longévité incompréhensible à la Chambre de commerce de Dakar. Des gens prêts à tout pour rester dans l'institution consulaire, de véritables acteurs économiques de seconde zone qui ne sont d'ailleurs même pas opérationnels devant un ministère du commerce de l'ancien régime dépassé, incapable de faire appliquer des décisions de justice. C'est dans ce cadre que nous avons jugé utile, comme à l'accoutumée, de vous informer de cette situation malheureuse qui va avoir un impact négatif sur la bonne marche du secteur privé dans son cadre institutionnel, de par les fortes propositions de sortie de crise rencontrées par le gouvernement précédent. Car après tout, les chambres de commerce d'industrie et d'agriculture sont des établissements publics à caractère professionnel, chargés d'assurer la représentation des intérêts des opérateurs économiques dans les secteurs d'activité commerciaux et industriels. Pour votre information, le blocage des chambres de commerce d'industrie et d'agriculture qui dure depuis bientôt 15 ans pour les 13 régions du Sénégal et depuis 14 ans pour la Chambre de commerce de Dakar où il n'y a pas encore eu de renouvellement. Toutes ces deux années d'illégitimité et d'illégalité devraient trouver une issue heureuse avec l'installation de délégations spéciales pour nous mettre tous au même pied d'égalité. Donc, c'est le texte liminaire que je lis, que je viens de lire, pour vous faire la genèse quand même de tout ce qui se passe à la Chambre de commerce de Dakar depuis bientôt, qui va aujourd'hui quand même vous donner un éclairage quand même technique, juridique, par rapport à ces décisions de justice qui ne sont pas exécutées depuis bientôt 14 ans. Président du Conseil national des dirigeants d'industrie du Sénégal, innovation croissante, président du secteur privé des femmes. Tay, pour waxtaan situation de la Chambre de commerce de Dakar. Depuis 14 ans, ay nit ñen ko top, mais acteurs économiques lañu, tay acteurs économiques yo xamanteni tay amul dara lu ñuy gëri état du Sénégal. Té tay fukki ak ñent ñala fa top. Renouvellement yo xamné Chambre de commerce juroom ak bu né war na am changement, ñu ñu dem
Industrie de production et de transformation, annulé. Benen sous-section, établissement financier. Donc, tu as une sous-section qui est une justice annulée. Tu as une annulée, tu as une annulée, tu as une ministre du commerce filiale. Tu as une annulée, tu as une annulée, tu as une annulée, tu as une annulée, tu as une Amour, quel est le corps qui a exécuté les décisions de décision. Il n'y a pas de temps, Vous faites 3 milliards pour vous pouvez gérer, c'est à vous donner l'or, 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 à vous donner Le président Macky Sall, nous sommes pour exécuter des décisions de décision. Nous avons saisi les autorités. Le président a saisi les autorités pour des décisions de décision exécutives. Les décisions de décision, il faut attaquer les gens qui sont exécutés. Nous avons dit que nous acceptons les problèmes. Nous devons voir. Vous faites que nous avons dit que le secteur privé, nous avons créé un emploi, de créer un compte comme vidéo. Situation ni mu démé tay ñu mënu ñuko def tay secteur privé dimbal bu mu fa indi état pour mënd di wut ay saafara bu dal xalé yi xey wutal commerçant yi def nañ ci condition yu baax ñu mënu ñuko def parce que amuñu cadre té nak sous région bi tay dëkk yi xam yëpp da ngay dem bayyi ñun Sénégal man mi membre chambre consulaire bu Imowara ma ngi wër sous région bi suba ngor Vous voyez, ça, vous voyez, 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 vous Pour l'appel sous-section, on a besoin de l'arrivée de l'agriculture. Eux, ils ont fait un peu Parce que faut bien former à l'économie de l'économie. Tu as un peu de chambre. Tu as un peu de chambre. Tu as un peu de budget pour 3 milliards. Tu as un trésorier chambre. Tu as un peu de chambre. Tu as un peu de chambre. Moi, je suis un peu de gouvernement. Je suis une décision de justice. Je suis un peu Le 23 avril, il y a une cour suprême qui vient d'arrêter, visée de mort. Il y a une cour d'appel, il y a une forme exécutoire, moi, arrêter, il y a une cour d'exécuter.
amul kenn ku ci mën a indi di gàllam ko surtout exécuté te bu ñu exécuté nag mooy Abdoulaye Sow ak équipe yëpp ne yëpp ñu génn ci saasi te génn mais nag waru doon génn moom dañu war a génn parce qu'il faut que tamit ñu yónnee fa mission de contrôle. Il faut que inspection générale d'état, il faut que IGF, il faut que cour des comptes, dugg chambre ba di ñëw ci la fa nekk. Parce que chaque jour nit ñaa ngi woo di ñu wax ay problèmes yu am foofu surtout ci affaire finance yoo xam ne def ñu yéem recrutement ay nit yoo xamante ni li daanee su poste nar a daanee sot rek def na ko ci chambre de commerce ba pare. Donc nag ñun gouvernement bi li ñeen jëfale tey mooy laaj leen tey yónnee ñu en attendant ñu exécuter décision décisive ba tax équipe yi fa nekk yëpp indi ñu tey délégation spéciale. Bu leen neexee def fa ay commissaire aux enquêtes économiques, bu leen def fa ay administrateurs civils ñoo xam nañ fay tegee en attendant ñu limmeetu ko la fa xew. Parce que lu ñuy wax l'état des lieux xool lu xew chambre de dafa war fii ñu toll nii xam la fa xew. Parce que nag chambre de commerce ci réew dafa doon loo xamante ni réew bu la gën a ñàkk chambre de commerce moo la gën a nekk ci coonam. France tey amul sax ministère du commerce chambre de commerce dañu am ñuy géré tey lépp luy commerce école de formation yeeg yëpp chambre de commerce moo koy géré aéroport yeeg lépp loo gis autour à péage yëpp chambre de commerce moo koy géré. Boo demati woon tey Turquie boo gisee pays yooyu di développé seen économie dañ ko këddam dox ko ñu ne ma nekk mel ni chambre de commerce muy établissement public à caractère professionnel rattaché au Tietar. Fii nag li ñu war a def yëpp def nañ li ñu naqari daal mooy fàtte naa ko sama ci français ba ñu jëlee arrêt yi dañ ko yóbbu notifié ko cabinet juridique bu état bi muy agent judiciaire de l'état. Agent judiciaire d'état bi ñu leen ko notifié li ñu wóor ba wóor bind nañ ministre du commerce ñaari yoon ba sax nee nañ ko bindaat ñetteel yoon ministre du commerce non seulement tontuwul man mi di wax yow bind naa ko lu mat ñetti yoon wala ñetti yoon. li ma gën a découragé démb am na ku nga xam ne benn employé ci société sénégalaise bu gën a rëy ci wàllu koom-koom mu ne ministre bi moom du sax tontu courrier. donc man non seulement tontu si may courrier waaye ñi ma gën a ëpp maqaama tey ay CSSR du tontu seen courrier ministre bi sëñ Dieye Diop moom mbetteel bi ñu am ci moom moom ëpp na dayo jéggi na dayo dañ ko ñëw mënoon a wax parce que bu ñu teeloon a wax tey dañee nit ñi dañoo bëri problème. moo tax ñu toog depuis 5 mois nangu ñoo wax dañoo nopp mais nag dañuy waxtaan suñuy biir dimanche bii rek am na kenn bu ma dañee ma mu ne ma naka sa secteur bi ma ragal a wax monte mu ragal a wax bi ma ko nee ça va pas mu ne ah ne xoolaat ba ci kanam parce que ministre bi sëñ Dieye Diop bii terme mu utilisé mooy c' est un brasseur de vent loolu la wax man nag ñeme ma ko wax soo boobu ñeme ko ma ko wax président Diomaye waaye ministre bi mu indi nii ah ñun daal non seulement tontu suñu courrier tontul ay courrier lu wóor ba agent judiciaire d' état par rapport ak équipe chambre de commerce bi toog fa war faa jóge tontu ko loolu nag c' est irrespectueux c' est inélégant. ñun fii ma toog nii lii courrier ministre des finances bi ma ko bindee matul 10 jours courrier ministre des finances ak nii bind ko mu tontu la te ministre des finances tey fii ñu toll nii moo ëpp sëñ Dieye Diop liggéey 50 fois fii nii boo toogaatee fii kii kuwee Ousmane Diagne la ministre de la justice koo ci bind yot nañ élégance républicaine bu toll nii dañu lay tontu pour ñu mos a gis signature Ousmane Diagne ak du benn heure boo bindee ministre bi dañu lay tontu sëñ Dieye Diop non seulement du tontu waaye secteur bi ñu ne ni waxagul lu doy suñu xel boo waxee mu ne VV ñaar 30 ans 40 ans entre temps Séné même VV bi muy nekk nekk Séné dëgg sénégalais acteur économique yu mel ni ay Mokhtar Sow seen le ñu ngi doxanteeg ñoom ba ay Abdoulaye Diagne dugg nañ fi tey nekk seen i góor dégg nga ay parti seen fi ak yeneen PVC du dépassé on parle maintenant de vision prospective ñun ay économiste lañu indi ma Cheikh Anta Diop bi rek ne sëñ Dieye Diop waxagul tey loo xam ne ñun mën leen cee téye nii ah mu jëmale ñu vers l' émergence te nag nañu respecté ñun sénégalais yi
lépp dana dana créé 46 départements yi dana fa def ay zone industrielle yu mel noonu. D' accord, mais problème bi mooy avec quel moyen. Souvent day phrase mi di yegg, dinaa def lii, mais war nga wax ni nii laa ko fas yéene defee, nii laa ko fas yéene defee. Ñun nag bu ñu recevoir na respecter des décisions de justice. Man du ma nëbbu ne xam naa ko. Y a 5 mois bokk naa ak avion sax jógee Maroc ñuy ñëw Sénégal, te 2017 bi ñu koy président Macky Sall di valider sa zone industrie de Sandiara, jour boobu man tamit dama président Macky Sall doon valider suma gaal maritime yii. Kon xam naa ko baax. Jógee nañ ci élection yi, daje nañ Maroc ñu bokk avion ñëw ba Dakar. Bañ ko falee sax woo naa ko di ko félicité, waaye bi ma koy félicité lii xamul sax muy waxal ma daal toog naa ne ma mu coupé téléphone ma keroog naa ko gën a dégg ba tey. Ñun nag ñuy xaar ci moom bëgg ñu recevoir, amul ci ñun soxla, amul ci moom soxla. Waaye nag lu avec la séparation des pouvoirs, lu justice xas ba jugé ba pare nañ ko exécuté. Ñun nag bëgguñu am ak état bi benn, ñu xeex Macky Sall bëgg gën a xëleen moom, bëgguñu am ak moom benn coow, te bëgguñu gêné président Diomaye, bëgguñu gêné premier ministre Ousmane Sonko. Cause pour laquelle ñun waxul ak ñun tamit tëpp nañ ko fa dem wax ak ay kilifaam, parce que moom mën nañ considérer seen ay projet da koo copté mais bokkul tey ci projet parce que. Donc ñun pour bañ a gêné tey la formation du projet, ñu ngi interpellé le président Bassirou Diomaye Faye, interpellé son premier ministre pour que le cadre de ces faussaires là qui sont à la chambre d'hôte de Dakar ñu jógee fa dans les délais les meilleurs, ñu tëggaat sur le secteur privé sénégalais dans la prospective dans une vision d'émergence afin qu'on puisse créer beaucoup de richesses, ñu créer emploi bëri ci suñu réew.